Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Atelier LGJ. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, pour une nouvelle création, un joli bonnet avec un très très joli point. Un point que j'ai déjà eu l'occasion de présenter sur la chaîne et je vous avais promis de vous présenter des modèles avec ce point dès qu'ils seront réalisés. Donc voilà, je tiens ma promesse et je partage avec vous le nouveau tutoriel pour ce joli bonnet qu'on peut adapter à toutes les tailles comme on va l'expliquer dans le tutoriel. Donc un point facile, ça se réalise sur deux rangées. Ça donne un très très joli rendu. On peut le réaliser en une couleur unique ou en plusieurs couleurs, donc dépendamment de vos goûts. Et donc on va commencer tout de suite. D'abord, on va présenter le matériel, puis par la suite, on commence étape par étape à réaliser notre bonnet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Comme ça, vous allez toujours recevoir les nouveautés Atelier LGJ. Vous pouvez aussi venir nous voir sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, pour partager vos commentaires, vos suggestions et surtout les photos de vos réalisations. Alors, on commence tout de suite. Alors, pour réaliser mon bonnet, j'ai travaillé avec une laine standard, donc de grosseur 4, médium. Ça se travaille généralement avec un 5 ou un 5,5 mm selon les marques. Alors, pour réaliser mon bonnet, j'ai eu besoin de deux crochets, un 3,5 pour réaliser la bande autour de la tête, puis un 5,5 pour le reste du bonnet. Alors, je réalise toujours les bandes élastiques avec un plus petit crochet pour qu'elles soient plus élastiques et qu'elles durent plus longtemps, donc qu'elles se déforment pas avec l'usage. Et ce que je fais, donc je prends le gros crochet selon la laine que j'ai choisie, puis je réduis de 2 points pour avoir le petit crochet pour réaliser la bande. Alors, si vous choisissez un autre type de laine, vous allez prendre le gros crochet selon votre laine, puis réduire de 2 pour le petit crochet. Alors, vous aurez aussi besoin d'une aiguille à laine pour faire les coutures et les finitions, et d'un pompon si vous le désirez. Donc, si vous voulez ajouter un pompon à votre bonnet, moi j'ai pris un pompon acheté dans le commerce, mais vous pouvez très bien le réaliser vous-même avec votre laine, donc moyennant un pompon maker si vous en avez. Et pour celles qui veulent savoir comment utiliser les pompons maker pour réaliser leur propre pompon, je vais vous laisser en bas de la vidéo le lien vers la vidéo où je présente, où je explique en fait comment faire votre propre pompon à la maison si vous avez le petit pompon maker qu'on achète. Alors, c'est tout ce qu'il nous faut pour le matériel et on va tout de suite commencer. Alors, on va commencer à travailler tout d'abord la bande qui va être autour de la tête, donc la base de notre bonnet. Pour cela, on va utiliser le petit crochet, donc le 3,5, pour avoir des mailles plus serrées et une bande le plus élastique possible qui va pas trop s'étirer avec l'usage. Alors, je vais prendre mon fil et je vais commencer par ma boucle de départ, puis je vais faire 11 mailles pour commencer. Donc les 11 mailles vont constituer la hauteur que je vais donner à ma bande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors maintenant, je vais compter 2 mailles à partir de mon crochet et je vais faire ma première maille serrée dans la deuxième maille. Alors 1, 2, dans la deuxième maille, je pique, je tire et je fais ma maille serrée. Puis je vais faire une maille serrée dans chacune des mailles de ma chaînette. Donc à chaque fois, je pique, je tire, puis je fais ma maille serrée. Je pique, je tire, je fais ma maille serrée. Et je vais faire une maille serrée sur chacune des mailles. Donc je vais avoir un total de 10 mailles à la fin de cette rangée. Alors, on avait commencé par 11 mailles et vu que notre première maille serrée, on l'a travaillée dans la deuxième maille, donc on va avoir un total de 10 mailles serrées à la fin de cette rangée. Alors ici, c'est la hauteur de notre bande pour commencer. Alors maintenant, on va répéter une rangée jusqu'à ce qu'on obtienne la bande élastique qui correspond à la taille qu'on travaille. Alors chaque rangée, on va la commencer avec une maille en l'air, puis je tourne mon travail. Puis je vais faire une rangée de mailles serrées, mais au lieu de travailler la maille serrée d'une manière classique, c'est-à-dire en insérant mon crochet sous les deux bras,
je vais insérer mon crochet uniquement sous le bras arrière. Puis je tire et je fais ma maille serrée. Même chose pour la maille suivante. Même chose pour la maille d'après. Donc on travaille des mailles serrées, mais en piquant uniquement sous le bras arrière. Alors une fois qu'on termine cette rangée, on va répéter la même chose pour la rangée suivante, c'est-à-dire on va commencer avec une maille en l'air, puis on repart avec une maille serrée dans chaque maille en travaillant uniquement sous les bras arrière. Une maille en l'air, je tourne, donc j'aurai toujours 10 mailles pour chaque rangée. Donc si vous voulez compter vos mailles pour être sûr que vous n'avez pas raté de mailles en travaillant, vous allez avoir pour chaque rangée 10 mailles. Et vous allez continuer ainsi, une rangée de 10 mailles serrées, travaillez uniquement sous le bras arrière, en commençant votre rangée avec une maille en l'air avant de tourner votre travail. Et vous allez répéter cette rangée autant de fois jusqu'à ce que votre bande soit égale au tour de tête selon la taille que vous travaillez. Alors moi je travaille pour une taille adulte, donc ma bande doit être égale à 52 à 53 cm. Toutefois, pour mesurer, on va la mesurer en l'étirant parce que c'est une bande élastique. Donc si on la mesure à plat, mon bonnet va être très grand par rapport à la taille que je travaille. Alors ce que je vais faire, je vais continuer à répéter cette rangée. Une fois que j'arrive à la mesure désirée, je vais vous montrer comment j'ai pris les mesures pour savoir quand est-ce m'arrêter avant de passer à l'étape suivante. Alors voici ce que vous obtenez en répétant la même rangée, donc une bande élastique qui va s'étirer pour s'adapter mieux à la taille ou au tour de tête que vous travaillez. Alors quand vous allez la mesurer, vous devez la mesurer en l'étirant pour savoir si vous êtes arrivé au nombre de centimètres voulus. Si je la mesure à plat, donc vous voyez ici, j'ai seulement 41-42 cm, ce qui est très petit normalement pour une taille adulte. Moi, je travaille, je dois arriver à 52 minimum, 53 cm maximum. Alors, si je l'étire, j'arrive à 52 cm. Alors, la bande étire et si je la mesure à plat, pour obtenir le tour de tête, je risque d'avoir un bonnet très grand. Donc, prendre en considération l'élasticité de notre bande et la mesurer en l'étirant. Maintenant, une fois que cette partie ou cette étape est terminée, vous devez compter le nombre de rangées que vous avez fait. Et vous devez absolument avoir un nombre pair pour cette bande, afin de mieux travailler le motif qui sera par la suite pour faciliter donc le travail. Le point qu'on va faire va se travailler sur un point, un nombre pair. Donc, faites très attention, après avoir compté le nombre de rangées, d'avoir un nombre pair. Donc, si vous avez un nombre impair, n'hésitez pas à ajouter une rangée ou à l'enlever pour avoir un nombre pair pour vos rangées. Une fois que ces deux étapes sont terminées, on va maintenant passer à l'étape suivante. Donc, on va coudre ensemble les deux parties de la bande pour constituer le cercle de base de notre bonnet. Alors je vais faire une maille en l'air à la fin de la dernière rangée et je vais placer les mailles l'une sur l'autre de chaque côté. Je vais faire une couture en faisant des mailles coulées. Donc je vais insérer mon crochet dans les deux mailles, donc des deux côtés, et je tire pour faire une maille coulée. Et là, une fois que je termine, je vais pouvoir changer mon crochet parce que je vais commencer à travailler le haut de mon bonnet. Et là, je vais avoir besoin du gros crochet pour commencer. Alors, je tire un peu sur la boucle et je vais changer mon crochet. Donc, je mets de côté le 3.5 et je prends le 5.5 pour continuer le reste du bonnet. Alors, j'ai pris mon crochet 5.5 et la première chose à faire avant de commencer à travailler le haut du bonnet, c'est de mettre la couture à l'intérieur. Donc je vais tout simplement
mettre ma couture à l'intérieur. Comme ça, je vais travailler sur le haut de mon bonnet. Maintenant, je vais aller récupérer la boucle ici. Je fais une maille en l'air et je vais faire une maille serrée sur chacune des rangées de mon bonnet en commençant dans la première rangée. Donc, je pique, je tire et je fais une maille serrée. Je passe à la rangée suivante. Je vais juste vous montrer plus près pour que vous puissiez voir. Donc, vous voyez le haut de ma rangée, je pique, je tire, je fais une maille serrée, je vais à la rangée suivante, en haut de la rangée, je pique, je tire, je fais une maille serrée, même chose pour la rangée d'après, et je continue ainsi sur chaque rangée. Donc, normalement, je dois obtenir pour moi 62 mailles serrées pour le premier tour. Donc, vous, ça va dépendre bien sûr du nombre de rangées que vous avez fait. L'important, c'est de calculer à la fin de votre tour le nombre de vos mailles serrées pour être sûr que vous avez toujours le même nombre de mailles serrées que le nombre de rangées, donc un nombre pair comme on l'a expliqué. Donc je pique en haut de chaque rangée et je fais une maille serrée. Et je continue ainsi. Alors quand j'arrive vers la fin, je vais vous retrouver pour vous montrer comment on va continuer pour le tour suivant. Alors j'ai terminé mon premier tour de maille serrée. J'ai calculé le nombre de mailles serrées que j'ai faites pour être sûr que j'ai obtenu le même nombre de mailles serrées que mes rangées. Et le plus important, c'est qu'il soit un nombre pair. Maintenant, je vais joindre avec le début de ma rangée, donc la maille en l'air que j'ai faite au début avant de commencer à travailler. Je pique, je tire et je fais une maille coulée. Puis je fais une maille en l'air et je vais commencer maintenant à travailler le point suivant. Donc je vais d'abord sauter la première maille serrée ici. Je vais aller à la maille suivante, je pique et je fais une maille serrée. Puis je vais retourner sur la maille que j'ai sautée, je pique, je tire. J'ai deux boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je vais le passer tout d'abord à travers la première boucle, puis je fais un autre jeté et je le passe à travers les deux boucles. Je refais la même chose, je saute une maille, je vais à la maille suivante, je fais une maille serrée. Je retourne à la maille que j'ai sautée, je pique, je tire, je fais un jeté, je passe à travers la première boucle, puis un autre jeté et je passe à travers les deux boucles qui restent. Je saute une maille, maille suivante, je fais une maille serrée, je retourne à la maille que j'ai sautée, je pique, je tire, jeté, je passe à travers une boucle, jeté, je passe à travers les deux boucles. Et je répète le même schéma pour tout le tour. Je saute une maille, maille suivante, une maille serrée. Je retourne sur la maille que j'ai sautée, je pique, je tire, jeté, je passe à travers une seule boucle, jeté, je passe à travers les deux boucles. Alors je vais continuer ainsi jusqu'à ce que j'arrive à la fin de mon tour, donc en répétant toujours le même schéma, on saute une maille, on fait une maille serrée, on retourne sur la maille qu'on a sautée, on pique, on tire, jeté, je passe à travers une boucle, jeté, je passe à travers les deux boucles. Et ainsi de suite, donc jusqu'à ce que j'arrive à la fin de mon tour. Alors j'ai continué le tour et là j'arrive aux deux dernières mailles de mon tour. Donc je les travaille de la même manière. Je vais sauter une maille, maille suivante, je fais une maille serrée. Je retourne sur la maille d'avant, je pique, je tire. Je fais une maille, je fais un jeté pardon et je le passe à travers une boucle. Puis un jeté, je le passe à travers deux boucles. Et je fais une maille coulée avec la maille en l'air du début du tour pour fermer. Alors à partir de maintenant, on va répéter deux rangées. Une rangée de mailles serrées et une rangée où on va travailler le point qu'on vient d'expliquer jusqu'à ce qu'on obtienne la hauteur voulue pour notre bonnet. Alors une rangée de mailles serrées, on la commence par une maille en l'air, puis dans la première maille, donc ici une maille en l'air, dans la première maille ici, je fais une maille serrée. Puis sur chaque maille, je fais une maille serrée.
Alors, je vais toujours obtenir le même nombre de mailles serrées que le premier tour ici. Donc ici, j'avais 62. Ici aussi, j'aurai 62 mailles serrées. Si donc j'ai bien suivi les mailles, une maille serrée sur chaque maille. Une fois qu'on termine cette rangée, on va joindre avec le début de la rangée, c'est-à-dire avec la maille en l'air du début de la rangée. On fait une maille en l'air et on reprend le travail de la rangée précédente, c'est-à-dire là où on croisait le point, on sautait un point, puis on retournait sur la maille qu'on a déjà sautée pour la travailler. Donc je continue une maille serrée sur chaque maille jusqu'à ce que je termine le tour. En gardant toujours le même nombre de mailles serrées. Alors j'ai terminé mon tour de mailles serrées. Je vais maintenant joindre avec le début du tour. Donc je pique dans la maille en l'air du début du tour et je fais ma maille coulée. Puis je fais une maille en l'air et je reprends le travail avec le point de la rangée précédente. Donc je vais sauter la première maille, je vais aller dans la suivante, je fais une maille serrée. Je retourne sur la maille que j'ai sautée, je pique, je tire, je fais un jeté, je passe à travers une boucle, jeté, je passe à travers deux boucles. Je saute une maille, maille suivante, je fais une maille serrée, je retourne sur la maille d'avant, je pique, je tire, jeté, je passe à travers une boucle, jeté, je passe à travers deux boucles. Alors je fais le tour avec ce point, je vais joindre avec le début du tour dans la maille en l'air du début. Avec une maille coulée, je fais une maille en l'air et je reprends le travail avec la rangée de mailles serrées. Et je vais alterner entre les deux rangées jusqu'à ce que la hauteur de mon bonnet s'approche de la hauteur totale de la taille que je travaille. Alors ici, je travaille pour une taille adulte, donc la hauteur totale de mon bonnet doit être 24 cm. Donc je vais continuer comme ça. Lorsque je m'approche des 24 cm, donc dans les 23,5 par exemple, je vais vous retrouver pour vous montrer comment on va fermer le bonnet du haut pour terminer le travail. Alors j'ai continué à répéter les deux rangées comme on a expliqué et je me suis arrêtée à un demi centimètre presque avant d'arriver à la hauteur finale pour un bonnet adulte. Donc pour un bonnet femme adulte, c'est généralement 24 cm de hauteur. Alors ici, j'ai presque 23,5 cm comme vous voyez. Alors c'est le principe à faire pour toutes les autres tailles en fait que vous allez travailler. Vous arrêtez un demi centimètre avant la hauteur totale de votre bonnet. En fait, je m'arrête à un demi centimètre avant pour faire une rangée de diminution qui va m'aider à réduire le nombre de mailles et mieux coudre mon bonnet par la suite. Alors ici, j'ai terminé et j'ai joint avec la maille au début de avec la maille en l'air oui du début du tour. Je vais faire une maille en l'air pour le prochain tour et je vais faire dans quel que soit en fait la rangée par laquelle vous avez terminé, que ce soit la rangée des mailles serrées ou des mailles croisées, vous allez procéder de la même manière. Donc je vais faire une maille dans la première maille, une maille dans la deuxième, puis les deux autres mailles, je vais les travailler ensemble pour réduire le nombre de mailles. Donc je vais faire une diminution. Je vais piquer dans la maille, je tire, je garde la boucle sur mon crochet. Je vais directement sur la maille suivante. Même chose, je pique, je tire. Et là, j'aurai trois boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe à travers les trois boucles. Puis je fais une maille serrée dans la première, une maille serrée dans la deuxième et deux autres mailles travaillées ensemble. Je pique la première, je tire, la deuxième, je tire, jeté, je passe à travers les trois boucles. Je vais faire tout un tour de cette manière. Deux mailles serrées, une diminution, deux mailles serrées, une diminution, jusqu'à ce que j'arrive à la fin de mon tour. Alors j'ai terminé ma rangée de diminution et je vais joindre toujours avec la première maille en l'air de mon tour. Alors normalement ici je suis arrivée à 24 cm de hauteur pour mon bonnet. Donc comme vous voyez, vous comptez toujours la hauteur à partir du bas de votre bande jusqu'à la dernière rangée que vous avez réalisée.
Alors maintenant, je vais faire un tour de maille coulée, juste pour préparer la couture que je vais faire pour fermer le bonnet. C'est plus facile de le faire avec des mailles coulées comme dernier tour. En fait, c'est plus esthétique, ça nous aide à ne pas avoir beaucoup de trous à cacher quand on commence à fermer le bonnet. Donc j'essaie toujours, lorsque je fais mes bonnets en arrivant en haut, à faire une rangée de mailles coulées. Et c'est sur ces mailles que je vais coudre pour fermer le bonnet. Donc ça va être plus joli et ça donne donc un meilleur rendu pour les finitions. Alors je termine ma rangée de mailles coulées. Je pique à chaque maille. Et je tire à travers la maille, puis à travers la boucle. Une fois que je termine, je vous retrouve pour commencer à fermer notre bonnet. Alors ma rangée de mailles coulées est terminée. Je vais joindre avec le début de ma rangée pour fermer une maille en l'air. Et je vais couper mon fil et laisser un fil assez long pour pouvoir faire les coutures avec. Et je tire mon fil à travers la boucle pour fermer. Alors maintenant, je vais prendre mon aiguille à laine et avec le fil que je viens de couper, je vais commencer à coudre le haut de mon bonnet. Alors ce que je vais faire, je vais passer mon aiguille à travers les mailles coulées que je viens de faire. Donc je vais faire à chaque fois, je vais rentrer l'aiguille, puis retourner sur la maille d'après pour faire revenir le fil vers moi. Comme ça, je vais pouvoir serrer mon fil et tirer pour fermer au fur et à mesure que j'avance. C'est comme si je fermais en fait une bourse. Et donc vous voyez, quand j'avance, je peux tirer sur mon fil et ça va serrer les mailles que je viens de coudre et ça va être la même chose tout autour de mon bonnet. Donc ça va se serrer. Je tire pas trop pour ne pas le couper. Donc il faut faire attention. Mais je tire assez pour pouvoir serrer au maximum les mailles et pouvoir fermer complètement mon bonnet. Donc par la suite, je vais pouvoir faire quelques coutures pour joindre quelques mailles qui vont être en haut et fermer. Après ça, ajouter mon pompon pour terminer. Alors tout d'abord, je vais continuer à passer mon fil à travers les mailles coulées du haut du bonnet et serrer en même temps. Et une fois que je termine cette étape, on se retrouve pour la suite. Alors j'ai terminé la couture tout autour de mon bonnet. J'ai tiré le plus possible mon fil et là je vais faire des coutures entre les mailles de cette manière pour fermer complètement le haut du bonnet. Je prends à chaque fois une maille de chaque côté et alors, je vais continuer de cette manière, essayer de fermer complètement le bonnet. Donc, je vais faire des petites coutures à l'horizontale, puis essayer aussi de prendre quelques mailles de chaque côté pour refaire une autre couture pour que ça soit bien fermé. Et après ça, donc ça va être la partie où je dois ajouter le pompon qui va être la dernière étape pour terminer mon bonnet. Donc, vous voyez déjà le rendu du point. Un très joli point
pas très aéré, donc ça fait un très joli bonnet à porter et c'est facile quand même à réaliser, donc de ranger qu'on répète. On peut le faire avec une seule couleur ou faire plusieurs couleurs. Ça peut donner aussi un joli rendu si on change la couleur à chaque fois. Donc c'est à votre goût. Moi, je vous montre le modèle et à vous de l'adapter comme vous voulez, selon votre goût et votre créativité. Alors, je termine cette étape et je vous reviens pour attacher le pompon. Alors, j'ai terminé ma couture. Ici, je vais faire un petit nœud pour bien fixer mon fil et je coupe pas mon fil car c'est avec ce même fil que je vais attacher mon pompon. Alors je vais introduire mon aiguille à l'intérieur de mon bonnet exactement au centre. Je vais chercher mon pompon. Alors moi, je choisis des pompons avec un petit élastique qui me permet d'attacher plus facilement le pompon. Vous pouvez bien sûr choisir le modèle qui existe chez vous. Vous pouvez même en fabriquer un pompon vous-même. Donc à vous de choisir selon les disponibilités que vous avez. Alors je vais prendre un petit crochet et je vais commencer tout d'abord. Par tirer l'élastique à l'intérieur du bonnet de cette manière et je vais l'attacher avec le même fil, donc j'ai gardé le même fil comme vous voyez avec mon aiguille à laine. J'ai un petit nœud dans mon fil. Je vais juste essayer d'arranger les choses. Et voilà. Donc une fois que je l'ai bien attaché, je garde toujours mon élastique bien tiré pour avoir un pompon bien attaché. Puis je peux par la suite faire autant de nœuds pour essayer de sécuriser le plus possible mon pompon. Par la suite, je vais coudre cet élastique à l'intérieur avec l'intérieur des mailles pour bien le cacher. Et ça va être la dernière étape. Donc c'est juste des petites finitions que j'ajoute pour avoir le travail bien fait. Donc une fois que je termine, je vais faire un nœud pour fixer mon fil et le couper, puis le cacher à l'intérieur de mes mailles à la fin. Alors voici le rendu final de mon bonnet, comme vous voyez. Donc comme j'ai dit, le point est très très joli, très simple à réaliser et le rendu aussi est très beau et ça s'adapte très facilement à toutes les tailles. Donc c'est vraiment le nombre de centimètres que je réalise pour ma bande et la hauteur de mon bonnet qui vont déterminer la grandeur du bonnet selon l'âge que je travaille. Un point très très simple, donc même les débutantes peuvent le réaliser. J'espère que le modèle vous a plu, que ça vous donne envie de l'essayer. En tout cas, si vous l'avez fait et que vous voulez partager avec nous vos photos, vous pouvez toujours le faire sur le groupe Facebook ou en taguant Atelier LJJ sur Instagram. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous allez toujours recevoir les nouveautés Atelier LJJ. C'est aussi une manière de nous encourager à continuer. Alors moi, je vous souhaite un très bon crochet. Je vous donne rendez-vous très très bientôt pour un nouveau tutoriel Atelier LJJ. À bientôt. Bon crochet.